Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur ma chaîne pour le Colorelli. Vous savez, le petit challenge de Anastasia Eli Koldareva. Donc, j'avais fait le premier trimestre. Je vous avais choisi des illustrations dans chaque livre, une illustration dans chaque livre et deux dans celui-là, dans celui-ci, dans Ecliptica. Non, deux, trois même, parce que un dans chaque mois, pour chaque mois, parce que c'est le signe du mois. Donc voilà, donc j'ai essayé de récupérer tous les colos que vous avez faits. J'espère que j'aurais oublié personne. Mais bon, dites-moi si quelquefois je vous ai oublié. Peut-être que je l'ai pas vu sur Instagram. Mais bon, normalement, tous ceux qui ont mis le hashtag Colorelli, j'ai pu les récupérer. Donc, mais peut-être qu'il y a des oublis, je ne sais pas. Donc, j'ai fait une petite vidéo juste après, là, pour vous montrer tous les colos qui ont été faits par vous. Et là, je vais vous montrer ce que j'ai fait moi. Donc, j'ai fait celui-ci, ça c'est la balance. J'ai fait le Sagittaire. Non, c'est pas le Sagittaire, ça si c'est le Sagittaire. Sagittaire et le... Non, je sais plus. Ça c'est le Sagittaire. Qu'est-ce que c'est après la balance? Ou avant la balance? Ah, ben ça, c'est le scorpion. Oui, scorpion et le sagittaire. Voilà, ces trois-là. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Est-ce que j'en ai fait d'autres dans celui-ci? Je ne sais pas si j'en ai fait d'autres dans celui-ci. Je ne les ai pas tous. Donc, de toute façon, vous allez les voir. Dans celui-là, j'en ai pas fait, j'ai l'impression. Pas dans celui-ci. Pas dans celui-ci non plus, je crois. Non plus, et pas dans celui-ci non plus. Donc c'est dans les autres, mais ils sont rangés. Donc bon, vous allez les voir parce que j'ai fait la petite vidéo qui va venir après. Donc après la petite vidéo, je vous reprends parce que il va y avoir des changements. Bon, voilà, vous avez vu la petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Maintenant, le premier trimestre, j'avais fait une liste dans chaque livre de Anastasia Eli Koldareva. J'avais choisi un colo.
Mais c'était quand même un petit peu peut-être restrictif par rapport. Vous aviez peut-être pas envie de faire le colo que j'avais sélectionné. Donc, ce qui va changer, c'est que vous pourrez faire n'importe quel colo que vous voulez. La seule chose que, bon, si vous avez envie, c'est de mettre l'hashtag Colorelli pour que je vous identifie et après que je puisse faire la petite vidéo au bout du trimestre. Pour que je fasse la petite vidéo et que je fasse un petit montage et que je le mette dans ma vidéo. Donc voilà, vous pouvez choisir si vous avez envie de faire n'importe quel signe, vous pouvez faire n'importe quel signe. Si vous avez envie de faire celui-ci, ben vous faites celui-ci, celui-ci. Enfin, vous choisissez, voilà. Et ça, c'est le changement. Après, moi, je vais continuer toujours à essayer de faire deux colos par mois. Il y aura toujours l'illustration du signe du mois et une autre illustration dans un des livres d'Anastasia. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai choisi pour le mois de janvier. Faut que je me dépêche. Donc, dans le mois de janvier, j'ai choisi de faire le Capricorne, celui-ci. Et j'ai choisi de faire. Est-ce que c'est lequel? Attendez, c'est pas celui-là. Alors, c'est dans lequel? Hop. Alors, je trouve pas. J'ai marqué des petites. J'ai fait des. Non, ça, c'est l'autre. Donc, c'est dans celui-ci. Alors, le mois de janvier, je vais faire celui-ci aussi. Voilà. Ça, c'est les deux que je vais faire. Enfin, je vais essayer de faire pour le mois de janvier. Donc, normalement, je vous ferai au moins une petite vidéo sur une des illustrations. Je ne sais pas si je vous ferai le Capricorne en vidéo ou si je vous ferai celui-ci. Voilà. Donc, voici pour le mois de janvier. Après le mois de février, je vais prendre ces Capricornes. Donc, après, c'est le Verseau. Voilà, j'ai pris celui-ci. Et sinon, comme c'est le mois des amoureux, j'ai pris celui-ci. Voilà, je vous ferai celui-là, ces deux-là au mois de février. Alors peut-être, je ne sais pas lequel je mettrai en couleur. Je verrai, je vais voir selon. Selon le temps que ça va me prendre, voilà, j'en ferai un des deux en vidéo. Je ne pense pas que je ferai les deux parce que ça fait beaucoup de montage après pour faire les vidéos. Donc, j'en ferai un des deux au mois de février. Et au mois de mars, j'ai choisi ce poisson, le poisson qui est là. Voilà. Et j'ai choisi celle-ci. Voilà. Au mois de mars. J'ai choisi celle-ci pour faire. J'avais envie de faire peut-être je vous ferai un effet pierre, peut-être là. Et puis j'ai envie de faire le fond très sombre ou avec un coucher de soleil derrière ou peut-être la nuit très très sombre. Voilà. Mais j'aimais beaucoup cette illustration. Donc ça sera le mois de mars. Alors, si vous avez envie de faire cela, vous pouvez faire cela. Je les mettrai, ça va être affiché dans le club des 6. Je vais afficher ces 6 illustrations. Si vous avez envie de les faire, vous pouvez faire celle-ci. Voilà, celle-ci et celle-ci. Voilà. Vous pouvez faire celle-ci si vous avez envie, mais ça sera marqué dans le club des 6. Et je les mettrai à la fin de ma vidéo aussi. Je ferai une photo des illustrations que je vais mettre en couleur. Voilà, à la fin de la vidéo. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, donc vous pourrez faire celle-ci si vous avez envie. Si vous avez envie de suivre une de mes vidéos, ben, c'est comme vous voulez. Ou si vous voulez faire à votre façon. Il n'y a pas
d'obligation. Mais sinon, si vous avez envie de faire une autre illustration, vous pouvez faire n'importe quelle illustration de tous les livres d'Anastasia. Il n'y a pas du tout. J'ai un petit peu assoupli ce qu'on pourrait dire les règles, parce que c'était trop, je pense, un peu trop restrictif. Donc, comme ça, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et puis, bon, vous pouvez en faire un, deux, trois, six, ou si vous n'avez pas envie d'en faire, vous n'en faites pas. Mais vous pouvez faire ce que vous voulez. Si vous voulez que je retrouve votre colo, ben, il suffit de mettre le hashtag Colorelli, que je vous mettrai sur la vidéo là. Et puis c'est tout, quoi, voilà. Et puis, ben, à la fin du trimestre, je vous referai une petite vidéo en mettant tous les coloriages qui ont été faits sur les livres d'Anastasia. Donc, ben voilà, je pense que j'ai tout dit. Oui, je pense que bon, les six colos seront affichés dans le. Là, ma louloute, qu'est-ce que tu fais? T'es petite folle ce soir. T'as envie de jouer. T'as envie de jouer, oui. Tu dors depuis plusieurs jours, là. Oui, c'est ce que je disais. Oui, les six que j'ai choisi de faire moi seront dans le club des six. Ça sera dans le hashtag Colorelli. Voilà. Donc, ben c'est tout. Je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc, voilà, j'ai fait des petits changements. Alors, dites-moi si vous trouvez ça mieux ou si vous vouliez que ça reste comme avant. Mais je pense que c'est quand même. Ben, comme ça, vous pouvez faire quand même. Un des colos que j'ai choisi. Ou, si vous avez envie de faire pareil. Et mes façons, ça sûr, tous les mois, il y aura les colos du signe du zodiaque. Voilà. Tous les mois, il y aura le signe du zodiaque. Donc, pour ces 3 mois, je les remontre. C'est le je remontre le Capricorne. Voilà. Je remontre un. Capricorne, le Verseau et le Poisson. Voilà. Déjà des petites idées. Peut-être pas trop pour cela encore. J'ai pas trop d'idées encore, mais j'ai des petites idées pour bon pour cela. Ben je vous dis faire un fond très foncé derrière, je pense, et puis faire un effet pierre. Et elle, je ne sais pas encore quelle couleur je vais faire les cheveux. Et sinon, celle-ci, j'ai pas trop d'idées. Là, je vais rester quand même avec des fleurs rouges, vu que c'est pour la Saint-Valentin. Donc, fleurs rouges, le rouge de l'amour. Et puis, donc ça, c'est comment ça s'appelle ces fleurs? Ces fleurs tropicales, mais je ne sais plus le nom. Donc, celui-là, j'ai pas trop d'idées, mais bon, ça va être un petit challenge pour faire une peau d'homme, là. Et puis, sinon, pour celle-ci, j'ai un peu une idée déjà aussi. Là, je vais faire une sorte de lune derrière. Bien sûr, bah, elle est là, de toute façon. Mais là, je pensais y faire les cheveux rouge un peu orangé. J'avais une idée comme ça de lui faire rouge orangé et faire le fond, une sorte de galaxie, peut-être tout autour là. Voilà, ça c'est mes idées. Voilà, donc ben, je vais m'arrêter là. Je vais préparer les petites affiches pour mettre les colos que j'ai choisis, que je vais mettre à la fin de la vidéo et dans le club des 6. Voilà, donc ben, j'espère que ben, vous allez continuer à faire les petites illustrations. J'ai beaucoup aimé toutes les versions qui a été faites des colos qu'on a choisi, que j'ai choisi les 3 derniers mois. Bravo, parce que bon, il y a eu beaucoup, beaucoup de vide de comment la petite sorcière avec son chapeau, il y a eu beaucoup
de cette illustration de colorier. Donc, bah, bravo à toutes, parce que vraiment, c'était magnifique. Et puis, à toutes et à tous, s'il y avait des hommes. Et puis, bah, là, on se retrouve dans, bah, la vidéo des coloriages terminés, enfin, je vous retrouve dans les 3 mois. Mais sinon, je vais être là avant parce que bon, je vais faire des vidéos, 3 vidéos du challenge colorie. Voilà, bah écoutez, je vous fais de gros bisous. Je suis un peu fatiguée ce soir là. C'est un peu dur à sortir les mots. Donc, bah, j'espère que, bah, dites-moi si ça vous plaît mieux ce système-là, si le fait de pas avoir de contraintes d'une illustration, si ça vous plaît plus. Bon, dites-moi dans les commentaires si pour vous c'est mieux. Voilà. Ben, je vous fais de gros gros bisous, je vous dis à très bientôt et puis à vos crayons là, il faut y aller, hein. On y va, on y va, on va faire des beaux colos. Bisous, bisous, je vous embrasse.